12 Years a Slave, les brûlures de l'esclavage à l'écran. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. New York, 1841. Les États-Unis, quelques années avant la guerre de sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l'État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d'un propriétaire de plantation de coton de Louisiane, il est réduit à y travailler comme une bête de somme et à se battre pour rester en vie. 12 ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien dont la rencontre va changer sa vie. Ce film, réalisé par le cinéaste britannique Steve McQueen, bénéficie de critiques élogieuses qui en font l'un des événements cinématographiques les plus marquants du moment. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. You have in the character of Ford. My great thanks, Master Ford. My thanks to you. Man does how he pleases with his property. Damn you! And then you have figures like Judge Turner, who is a sort of mysterious figure. What you earn is yours to keep. Fruitvale Station, film coup de poing produit par Forest Whitaker. 5, 4, 3, 2, 1, shot fired, Fruitvale. We need to try and get home. What is going on? Next stop, Fruitvale Station. Primé au festival de Sundance, et Deauville est produit par Forest Whitaker, Fruitvale Station est un premier long métrage réalisé par Ryan Cooper, un jeune afro-américain de 26 ans. Le film relate la vraie histoire de Oscar Grant, un jeune afro-américain de 22 ans qui croise le 1er janvier 2009 au matin des agents de police dans la station de métro Fruitvale à San Francisco. Son destin prend le visage d'un drame qui avait suscité à l'époque de nombreuses manifestations et des émeutes, a poussé le jeune réalisateur Ryan Cooper à en faire un film. Séduit par le projet, l'acteur Forest Whitaker produit ce long métrage sous sa société de production. Un film poignant qui montre une nouvelle fois les relations compliquées établies entre la police et les Noirs américains. You guys got plans for the night? I meet up with the fellas, head out to the city. Why don't you take the train out there? That way you guys can hang out and not have to worry about anything. Hey, Oscar. How are you? I'm good, happy new year. Happy new Oscar? Year. Oscar from Pharmacia? Telle la voix du hip-hop malien. Depuis 90, l'école malienne glisse dans la crise. Les solutions proposées frisent le ridicule des élèves et des étudiants que nul ne calcule. Voilà venir l'heure du pécule. De son vrai nom, ici à Kaba, Am Koulel s'est imposé comme un leader incontournable du mouvement hip-hop malien. À la fois rappeur et animateur de télévision, ses engagements le poussent à promouvoir une image positive de l'Afrique par la culture. En plus de son fort engagement social, il tire son originalité du fait qu'il a créé son propre style de hip-hop en live, mélangeant instruments traditionnels, kora, djembé, tama, ngoni, aux sonorités urbaines et actuelles. Il anime l'émission de télévision Kaz Sanga, qui fait de lui un quasi-héros national, puis il crée le premier spectacle de côté rap, Bama Saba, avec les deux autres fondateurs du hip-hop malien, King Massassi et Ramsès, du groupe mythique Tata Pound. Am Koulel poursuit une carrière respectée qui le place aux avant-pistes de la conscience de la jeunesse malienne.
un peuple, un but, une foi, Anga Maliba. Un peuple, un but, une foi, Maliba. Erena na dondo, Barkana na dondo, Savalina na dondo, Emali kana koroto. Erena na dondo, Barkana na dondo, Savalina na dondo, Emali kana koroto. Noyés dans les larmes, pays à la dérive. Si armés sont les prières, voilà les risques. Les anges tombent par milliers, unité faiblie. Si même Dieu devient ta grille. Béla Bello, pionnière de la musique togolaise. À l'instar de Myriam Makeba, c'est à juste titre qu'on la considère comme la pionnière de la chanson africaine moderne de la zone francophone du continent. C'est prématurément qu'elle décède en 1973, à l'âge de 27 ans, suite à un tragique accident de circulation. Malgré sa vie courte, elle a réussi l'exploit d'exporter la musique africaine dans le monde entier à travers ses voyages à l'échelle de plusieurs continents. C'est en 1963, par des interprétations lors des festivals et récitals scolaires au Togo, qu'elle effectue ses débuts dans la musique. Rappelons que Béla Bello fut par exemple la première africaine reçue dans le journal de la télévision française, un exploit pour l'époque. Son héritage est immense et aujourd'hui, de nombreux artistes revendiquent sa filiation, à l'instar d'Afia Mala, autre diva togolaise. Racisme dans la mode. Il y a pas de couleur pour pleurer. Je dis qu'il y a pas de couleur pour aimer. Message d'amour même en temps de guerre. Alors que certains disent les passions, moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Sache que je suis pas de ceux qui feraient la différence. Ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence. Y'a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir, pas une couleur qui t'empêche de mourir, pas une couleur pour s'aimer. La mode est un authentique baromètre des mœurs de la vie en société. Ces dernières années, plusieurs affaires de racisme ont en France émaillé l'actualité de la mode. Plusieurs organisations se sont liguées contre la mise en vente par Mango d'une gamme de bijoux intitulée Style Exclave. La marque espagnole a dû présenter ses excuses sur Twitter à la suite de vives protestations qui demandent aussi aux égéries de la marque, comme Penelope Cruz, Kate Moss, Scarlett Johansson, Mila Jovovich ou Lou Doyon, de prendre publiquement leur distance avec la marque Mango. Précédemment, le célèbre parfumeur Jean-Paul Guerlain, après ses propos sur les nègres sur France 2, avait suscité un large appel au boycott de sa marque. Plusieurs personnalités telles que Sonia Roland ou Aïssa Maïga s'étaient mobilisées pour sensibiliser le groupe LVMH face à ces fléaux. Plus récemment, la Miss France d'origine béninoise a reconnu avoir été victime d'attaques racistes depuis son élection. Des faits qui rappellent le triste sort de Sonia Roland qui, 14 ans avant elle, avait aussi souffert de commentaires xénophobes. Enfin, rappelons que malgré les campagnes publicitaires universalistes de la marque Benetton, beaucoup de femmes noires évoluant dans le secteur de la mode se disent victimes de discrimination au faciès. En coulisses, aujourd'hui encore, beaucoup de grands groupes se montrent réticents à offrir la une de leur magazine aux filles noires ou maghrébines. Il en va de même pour les agences de mannequins, dont les bookers se disent victimes des directives de leurs principaux clients, qui imposent essentiellement des beautés blanches pour incarner leur marque. I guess that can't get any in.
rock, la diva Samira Saïd de retour au pays. Après des années passées en Égypte, où elle a élu domicile, la diva de la chanson arabe, Samira Saïd, a décidé de quitter l'Égypte et de revenir s'installer au Maroc, son pays natal, auprès de sa famille. Samira Saïd a annoncé que cette décision de retourner s'installer définitivement au Maroc n'a rien à voir avec la situation actuelle en Égypte, mais émane tout simplement de sa volonté de revenir auprès des siens. Auteur, compositeur et interprète de talent, cette native de la ville de Rabat est considérée comme l'une des reines de la pop arabe. Rappelons au passage que Samira Saïd est l'une des artistes arabes ayant vendu le plus de disques dans le monde, avec plus de 50 millions d'albums à son actif. Tania Sanval, la diva du zouk, récidive autrement. Avec bientôt 30 ans de carrière, la chanteuse guadeloupéenne Tania Sanval a fait paraître une vingtaine d'albums qui font d'elle l'une des rares divas du zouk de la première génération. De retour sur le devant de la scène autour d'un concept qu'elle baptise autrement, elle présente à ses fans un nouveau répertoire et son nouvel univers musical au carrefour de la soul, du jazz et des rythmes caraïbéens. Sur scène, Tania Sanval a choisi de s'entourer de musiciens de renom. En Afrique, son public en redemande, car l'artiste antillaise n'a jamais caché son attachement à ce continent, qui constitue aussi une partie de ses racines. Rappelons au passage qu'elle a collaboré en 1999 au projet Bissau na Bissau de Passy, avec lequel elle reçoit un disque d'or. Avec le concept Autrement, Tania Sanval présente au public une nouvelle couleur musicale reprenant ses plus grands tubes réorchestrés dans l'attente de nouveaux titres inédits. Affaire à suivre. What's up, Whitaker, voyage au cœur de l'histoire américaine. Je suis Cecil Gaines, le nouveau majordome. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous vous contentez de servir. Il a eu cette place sans piston et c'est pas lui qui a appelé, c'est la Maison Blanche qui l'a contacté. Vas-y, je veux tout savoir. Tu ne risques pas d'apprendre grand-chose. Ils lui ont fait jurer de tout garder secret. Avec à l'affiche Forest Whitaker, Oprah Winfrey et Mariah Carey, Le Majordome est un film qui devrait abondamment faire parler de lui. À travers le regard de Cecil Gaines, il retrace l'évolution de la vie politique américaine et des relations entre communautés noires et blanches dans un pays déchiré par la question raciale. De l'assassinat du président Kennedy et de Martin Luther King, au mouvement des Black Panthers, de la guerre du Vietnam, au scandale du Watergate, les personnages vivent ces événements de l'intérieur, mais aussi en père de famille. Parmi eux, Forest Whitaker, campe le rôle magistral d'un majordome qui, en travaillant à la Maison Blanche et voyant défiler sept présidents de la République, devient le témoin privilégié d'une histoire torturée. Les majordomes, sache que les domestiques noirs jouent un rôle important dans notre histoire. Il est en train de se passer des trucs importants, papa.
Il y a un groupuscule de révoltés appelé le Black Power. J'ai donné ordre d'étouffer dans l'œuf ces fils de pute. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont te tuer. Ce pays nous traite comme des chiens. Si tu n'aimes pas le président, fiche le camp. Quoi? Dégage! Dégage de ma maison! Pardon, monsieur le majordome, je voulais pas me moquer de ton héros. Jamie Foxx, la folle épopée d'un président noir à la Maison Blanche. Affirmatif, on tient le président dans la bibliothèque. C'est une bibliothèque. N'entre pas. Ça, c'est vraiment débile. Venez, monsieur le président! Vite, vite! Vous devez mettre le président en sécurité. Il y a ma fille qui compte sur moi et je la laisserai pas tomber. L'acteur américain Jamie Foxx a le vent en poupe et enchaîne avec bonheur de nombreux films qui rencontrent un vif succès au box-office. White House Down est un thriller américain dans lequel deux agents des services secrets américains déjouent un coup d'état militaire contre le président des États-Unis que joue avec délice Jamie Foxx, qui affirme s'être longtemps physiquement et psychologiquement préparé pour interpréter ce rôle qui semble avoir été taillé sur mesure. C'est un pacifique, mais il va falloir vous en servir et faire un carton. Carrément. Je n'ai plus le lance-roquette. De quoi? Mais comment on peut paumer un lance-roquette? Ne bougez plus! Tirez! Ne te tirez pas!